Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti! Aujourd'hui, pour ce 12e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Delphine Barrea du site capatena.fr. Bonjour Delphine. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Oui, alors je suis donc, comme tu l'as dit, Delphine Barrea. Je suis la fondatrice de la société Capatena. Donc ça, c'est, on va dire, pour le côté public. Pour le côté un petit peu plus privé, je suis donc une femme de 45 ans. J'ai un conjoint depuis un certain nombre d'années avec qui je m'entends très bien. Une fille qui a bientôt 15 ans. Une ado géniale avec qui je m'éclate. Voilà, j'ai également deux gros chiens, deux bosserons, pour ceux qui connaissent, et trois poules, voilà. Et j'ai la chance de vivre dans le sud de la France, alors sud de Toulouse plutôt, dans une région où il fait bon vivre et où on est plutôt heureux en général. Effectivement, j'habite pas loin de chez toi, je suis à Carcassonne, donc on est voisins. Voilà, on est voisins. Et donc, tu as Capatena, c'est une activité de coaching pour les commerciaux, c'est ça? Exactement, voilà. Alors, Capatena, Cap, ça veut dire conseil, accompagnement, performance. Moi, je suis là pour accompagner les commerciaux vers la performance. Et ce que j'entends par là, c'est tout simplement l'atteinte et le dépassement de leurs objectifs. J'ai envie que les commerciaux se sentent bien et qu'ils soient en capacité de remplir les missions que les entreprises leur donnent et qu'ils soient surtout capables de dépasser ce qu'on leur demande pour que voilà, ça roule pour eux et qu'ils soient bien. Ok. Comment fonctionne ton accompagnement commercial avec les commerciaux que tu suis? En fait, je m'appuie sur un fonctionnement qui est sur trois piliers principaux. Je fais donc du coaching puisque je suis coach certifié, coach professionnel certifié. Je fais du coaching, donc je vais vraiment prendre le commercial avec toutes ses problématiques et tous ses freins, tous ses points forts, et on va travailler dessus pour lui permettre de dépasser ce qui le dérange, ce qui l'empêche d'être meilleur, et puis maximiser les points forts qu'il peut avoir. Et les renforcer. Donc il y a une forte part de coaching, il y a une part de mentorat puisque je l'ai pas dit en me présentant, mais j'ai 20 ans d'expérience moi dans le commerce. Alors c'était beaucoup dans le commerce IT, mais c'est du commerce. Donc j'ai 20 années d'expérience derrière moi qui me permettent quand même de guider plus précisément un commercial qui en aurait besoin sur voilà, une façon de faire pour qu'il puisse être mieux dans son activité. Ça s'accompagne également, donc troisième pilier, de formation et d'outils type tableau de bord qui leur permettent de piloter leur activité de manière sereine. D'accord, ok. Tu interviens essentiellement en région toulousaine ou en région Occitanie plus largement? Oui, voilà, c'est ça, région Occitanie. Donc, généralement, les entreprises que j'accompagne ont leur siège social plutôt en région toulousaine. Et après, les commerciaux peuvent être un petit peu partout, hein, puisqu'ils peuvent avoir des agences un peu partout en France. Je reste dans tout ce qui est francophone. Les dernières années nous ont prouvé qu'on est capable de travailler à distance très facilement. Donc, je me déplace
pas trop en région toulousaine, mais en région parisienne, pardon. Mais je vais plutôt travailler par visio, de manière à être présente pour le commercial et l'aider à maximiser ses points forts, l'aider à être meilleur dans ce qu'il fait. C'est sur des forces commerciales de combien de commerciaux que tu interviens ? En général, c'est entre 3 à 4, ouais, plutôt 5 commerciaux. Ouais, j'interviens plutôt sur des forces de 5 commerciaux. Ça peut aller jusqu'à 10, mais là, c'est vraiment plus particulier. Ça va être plus de la formation pure. Parce que le coaching, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé avec la personne individuellement. Et donc, quand on a une grosse équipe, c'est plus compliqué à faire. Donc là, je vais plutôt agir avec de la formation pure. Ok. Et comment tu trouves tes clients ? Alors, souvent, c'est eux qui me trouvent. Donc, voilà, les clients peuvent me trouver eux-mêmes direct parce que je suis assez présente maintenant sur LinkedIn. Je démarche aussi, je fais moi-même de la prospection. Hein, je suis comme tous les commerciaux, je dois prospecter pour aussi trouver mes clients. Donc, je fais du démarchage. J'ai activé aussi tout le réseau que je pouvais avoir avant de monter Capatena. Donc les entreprises avec lesquelles je travaillais, j'ai réactivé tout mon réseau une fois que j'ai monté la structure et voilà, et puis les amis d'amis et puis le bouche à oreille et puis des clients satisfaits qui me recommandent. D'accord. On va revenir un petit peu au début de ta carrière et est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé au métier de commercial? Alors moi, au départ, et depuis que j'étais très très jeune, je me destinais à être professeur des écoles. Donc, j'ai fait des études dans ce sens-là. J'ai une licence d'histoire, voilà, très logique, hein, pour la suite. Et en fait, quand après avoir fait ma licence, j'ai donc passé des concours pour être professeur des écoles. Et l'été où j'ai passé ces concours-là, j'ai réalisé que c'était plus un rêve d'enfant qu'une vraie ambition de carrière. Et donc là, je me suis posé les vraies questions, qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire, et le métier de commercial m'a apparu comme étant quelque chose d'intéressant pour moi, qui me titillait en fait. J'avais envie de voir un peu ce que je pouvais donner là-dedans, et donc j'ai intégré une école de commerce sur Toulouse, et voilà, j'ai commencé à travailler en alternance à la fois dans l'école de commerce et à l'époque chez Mercedes comme commercial. Et voilà, et ça m'a permis de me lancer. Et ensuite, j'ai postulé dans des entreprises et j'ai été commerciale. Ok, ça a été une révélation, voilà. Le passage de prof d'histoire, enfin de prof des écoles, éventuellement, avec ta licence d'histoire, ouais. Et vers le commercial, comme ça. Une révélation. Oui, ouais, ça peut paraître un peu étonnant, mais je pense que ça venait aussi de l'entourage que j'avais, des gens avec qui je discutais à l'époque, et en fait, quand j'ai réfléchi à quelles étaient mes compétences et comment je pouvais me mettre en avant dans une entreprise, voilà, commercial, ça m'a paru comme étant un métier qui pouvait m'aller bien. J'ai fait un bilan de compétences, et c'est aussi ce qui en est ressorti. Donc, ça m'a conforté dans cette idée-là et c'est comme ça que j'ai intégré l'école de commerce dans laquelle j'ai fait mes études. C'est assez impressionnant ton parcours puisque ça ressemble aussi au parcours d'Arthur Naudion que j'ai reçu dans l'épisode numéro 7 ou numéro 8, numéro 7 je crois, ouais. qui était voué à devenir avocat. Et au moment du passage du concours, il a complètement bifurqué, il est allé vers le commercial. Et toi, ouais. C'est au moment du passage du concours de professeur des écoles que tu as fait ça aussi. Ouais, c'est fou, exactement. C'est comme une prise de conscience. On se dit, ouais, bah, tiens, j'ai brisé le cœur de ma mère, mais j'ai brisé le cœur de ma mère qui m'a dit, mais quand même, professeur des écoles, c'est un métier tellement bien pour une femme, tu pourrais être chez toi le mercredi pour s'occuper de tes enfants. Mais non, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, en fait. Ok. Et donc, tu as 20 ans d'expérience dans le commercial, et puis maintenant, c'est l'accompagnement et le partage, en fait, de tes acquis, j'imagine. Ouais, c'est ça en fait. Au bout de 20 ans, je me suis un petit peu essoufflée dans le métier. J'ai eu envie d'autre chose. Donc avant que le Covid sévisse en France, en 2019, j'ai décidé que je voulais arrêter et faire autre chose, vraiment autre chose. En fait, j'avais envie d'être plus dans un métier d'accompagnement, d'aide. Alors, d'écoute, ça, on le retrouve dans le commerce, bien entendu. Mais j'avais envie de pouvoir, avoir plus de sens dans ce que je faisais,
et d'aider les gens autour de moi plutôt que simplement vendre des produits ou des services qui à ce moment-là je trouvais en plus ne me correspondaient plus vraiment. J'étais plus alignée avec ce que je pouvais faire et donc j'ai eu envie de changer et de faire quelque chose de radicalement différent. Donc là pareil, je me suis posé les bonnes questions et le coaching voilà, et pour moi était assez évident, c'était une évidence et donc pareil, même processus que quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai intégré une école, j'ai fait une année d'études, puis j'ai passé une certification, j'ai écrit un mémoire sur le coaching des managers en management hybride, donc très à la mode aujourd'hui. J'étais hier soir à une conférence là-dessus qui se tenait à Toulouse et bon voilà, et donc j'ai l'envie de vraiment d'accompagner des personnes plutôt que d'être simplement dans la vente de services. Okay. Et puis après ça, j'ai réalisé également que finalement le commerce commençait à me manquer au bout d'un an. J'en fais pour moi, hein, pour vendre mon entreprise et mes services, mais j'avais envie de m'adresser à des commerciaux. Et c'est comme ça que j'ai monté le bundle, on va dire. À la fois mes compétences en tant que coach et mes compétences commerce. Et j'ai réuni les deux pour être coach de commerciaux. Ça match. Ouais. Ok. Tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. Donc on va commencer dans le vif du sujet. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur ? Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est équilibré. Pourquoi ? Parce que... pour pouvoir vendre, il faut être bien dans ses baskets. Il faut être bien dans ses baskets. Il faut avoir vraiment le mental. Tu sais, quand on dit quand t'as un bon mental, tu peux tout faire. C'est ça. Quand tu es un vendeur, il faut que tu puisses aller voir tes clients et que ils voient pas sur ton visage que la veille ça s'est mal passé pour toi à la maison ou que t'as eu des soucis ou quoi que ce soit ou que ça se passe pas bien dans l'entreprise. Il faut vraiment, quand tu vas voir un client, que tu veux être un bon vendeur, que la personne qui te reçoit, elle perçoive ton énergie, elle perçoive ton envie de travailler avec elle. Et pour moi, voilà, il faut être capable de faire abstraction, peut-être de ses difficultés personnelles ou d'un passage difficile, pour pouvoir être bon dans ce qu'on fait et donner envie à la personne en face de soi de travailler avec soi. Voilà. Ça me fait penser à une image, ce que tu dis direct, c'est amener du soleil dans la vie de ton prospect quelque part. Oui, exactement. Je pense que quand tu donnes envie aux gens, ils ont envie d'acheter, en fait, tout simplement. Parce qu'un commercial, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vend un produit ou un service. Donc, son but, c'est que les gens achètent. Et si tu leur donnes envie, ils vont acheter. Si tu y vas avec tous tes problèmes, avec... moi, je vois parfois des commerciaux qui arrivent en rendez-vous et qui vont dénigrer l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ou qui vont dire « Ah non, n'achetez pas ce service-là, en ce moment, on a des problèmes pour produire. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas. Il y a des manières de faire, des manières de dire pour ne pas tomber dans cet écueil-là, surtout pas. Donc ouais, je pense que l'équilibre c'est vraiment quelque chose de très important. Avoir une vie équilibrée, faire du sport, manger correctement, être dans une vie plutôt saine et active pour que ça se reflète quand on va voir ses clients et qu'ils aient envie de travailler avec nous. C'est une approche holistique de la vente. Oui, exactement. J'adore. C'est ça. Ok. Une question que j'aime beaucoup, que je pose à tous mes invités, c'est si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il ? S'adapter. Adapter. Le verbe adapter, s'adapter. Un commercial, c'est quelqu'un qui doit être souple et qui doit être capable d'être suffisamment flexible pour s'adapter en permanence. On doit s'adapter à son interlocuteur. Parfois, on va tomber sur un patron qui a besoin d'être un peu guidé. Parfois, on va tomber sur un acheteur hyper strict. Et dans ces cas-là, il faut savoir comment lui parler. Parfois, on a des difficultés dans l'entreprise parce que, comme je le disais, tu vois, je pense particulièrement en ce moment aux vendeurs auto. Les pièces n'arrivent plus. On peut plus produire de voitures. Comment est-ce qu'ils font ? Ils doivent s'adapter, ils doivent adapter leur discours quand ils ont les clients qui viennent les voir. Donc voilà, je pense que l'adaptation, c'est la clé du commerce. Je suis d'accord avec toi, l'adaptation. Il y a une adaptation de ton énergie, il y a une adaptation de tes émotions et il y a une adaptation au contexte qui est très importante. Absolument. Aussi. Absolument, ouais. Ok. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver.
Que penses-tu de cette affirmation? Ça fait écho avec quelque chose qu'on m'a dit à moi il y a très longtemps, comme je me suis lancée justement dans l'école de commerce et que j'ai décidé de devenir commerciale. Une personne de mon entourage qui était lui-même commercial depuis une vingtaine d'années m'a dit « laisse tomber, c'est pas fait pour toi ». Et cette phrase-là, elle a fait écho chez moi pendant les 20 années qui ont suivi. Mais vraiment, pendant 20 ans, c'était pas quotidien, mais très souvent, quand je vendais un service, j'avais un nouveau client, un nouveau grand compte qui signait avec moi, intérieurement, je me disais, c'était pas fait pour moi. Donc, j'avais peut-être pas quelque chose à prouver, mais en tous les cas, j'avais envie de me dire qu'il avait tort. Donc, ouais, les meilleurs commerciaux ont peut-être quelque chose à prouver. J'ai l'impression que souvent les commerciaux ont eu un parcours un peu compliqué avant de devenir commerciaux. Peut-être qu'ils ont quelque chose à prouver. C'est possible. C'est souvent une revanche qu'ils peuvent avoir sur quelque chose, un traumatisme qu'ils peuvent avoir eu. J'en ai vu beaucoup comme ça, hein, qui avaient quelque chose à prouver. Ouais. Cette question n'est pas anodine à ce sujet. Oui, je vois ça. Ok. Delphine, quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi? Les fondamentaux, pour moi, il y en a trois. Il faut connaître les techniques de vente. C'est la base, en fait. Connaître les techniques de vente, si on ne sait pas comment on s'y prend, difficile d'être un bon commercial. Et pour ça, deuxième fondamental, il faut être curieux. Il faut se renseigner, s'éduquer, se cultiver, à la fois sur ce que c'est que d'être vendeur, d'être commercial, sur les techniques de vente, mais aussi sur les services que l'on vend, les produits. C'est-à-dire pas se contenter d'avoir un brief fait par l'entreprise et puis après, voilà, on y va et c'est tout. Il faut être curieux de ce qu'on vend, curieux des clients chez qui on va. Et pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. Donc là, j'en ai cité deux. Et le troisième, c'est le savoir-être, en fait. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Si vous êtes un commercial qui est super bon techniquement, qui connaît très bien ses produits, ses services, mais quand il invite son client à déjeuner, se comporte vraiment comme un malotru, je suis désolée, mais ça le fait pas. Voilà. Et donc, pour moi, le savoir-être, c'est très important également. Ok. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale? Travail, je dirais. Ouais, non, principalement le travail. Je crois que vraiment un commercial, loin des idées reçues qu'on peut avoir quand on ne fait pas ce métier, un commercial est quelqu'un qui doit énormément travailler. Donc moi, c'est une valeur que je porte, qu'on m'a inculquée hein, et que je porte, qui est importante pour moi. Ensuite, je dirais qu'il y a le respect. La bienveillance et le respect. Quand on est commercial et qu'on a un client, on se doit de respecter son client, de lui vendre un produit ou un service qui correspond réellement à ce qui va pouvoir aider le client, ce dont il a besoin. On n'est pas là pour lui vendre à tout prix quelque chose. Et puis après, on s'en va et puis c'est fini, quoi. J'espère que ce temps-là est révolu des commerciaux qui faisaient ça parce que c'est absolument catastrophique. Donc pour moi, le respect et la bienveillance sont deux valeurs qu'il faut avoir quand on est commercial. En tout cas, moi, elles font partie de mes valeurs. Oui, on veut plus de mercenaires dans ce métier commercial. Ouais. Tu sais comment je les appelle, moi, les commerciaux comme ça? Vas-y. Les commerciaux Attila, en fait. Tu connais le principe d'Attila? Oui, c'est ça, la politique de la terre brûlée. C'est ça, exactement. Là où il passe, l'herbe ne repousse plus. Les commerciaux qui vendent à l'arraché, qui vont avec leur bagou et qui, papa out, le client arrive à signer un bon de commande et puis au final, quand il faut produire, souvent, en plus, c'est des choses qui ne correspondent pas à ce que fait l'entreprise. Enfin, ça pose beaucoup de problèmes. Et derrière, on peut pas retourner voir le client, quoi, parce que le commercial, il est grillé chez le client. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et les mercenaires, comme tu dis, ouais, il faut, ça, c'est à proscrire complètement. Je revenais aussi sur ce que tu disais au niveau du travail. Je suis d'accord avec toi parce que pour avoir travaillé avec des commerciaux dans des flottes commerciales, on va dire, et accompagné des commerciaux aussi, beaucoup de commerciaux qui ont un certain talent pensent que seul le talent leur suffit et ils pensent pas à travailler derrière, en fait. Donc, ils font des coups, tout simplement,
mais ils sont pas réguliers. Oui, c'est ça. Ben oui. Alors que le travail, et justement, c'est dommage parce que ces commerciaux comme ça qui ont un certain talent, pour qui c'est un peu plus inné, on va dire, la vente est plus facile. Il suffirait qu'ils travaillent un tout petit peu et ça leur permettrait d'assurer des ventes toute l'année, des revenus fantastiques. Enfin, voilà. Mais souvent ils font justement que des coups et ouais, c'est un peu dommage. Mais c'est ça. Ils se reposent sur leurs acquis, leurs équipes, ouais. Tout simplement. Ok. Au niveau du mental, d'ailleurs, Delphine, à ton avis, quel est le pourcentage de part du mental dans la réussite d'un commercial? Je dirais bien, pour moi, 70%. Pour moi, le mental, c'est énorme, énorme. À partir du moment où on a le mental, où on est quelqu'un de volontaire, qui a envie de gagner, qui a ce vrai mental de commercial, tout découle de ça, en fait. Déjà, le client, il est volontaire, il a envie de travailler avec vous. Vous allez être capable, en tant que commercial, de ce que je disais tout à l'heure, hein, d'avoir cette curiosité, de vous renseigner, etc. Enfin, le mental fait tout. Si on n'a pas le mental, je crois qu'il vaut mieux rester chez soi. Ok. Et ça peut arriver. Moi, je suis tout à fait. Ça m'arrive de dire à certains commerciaux, si aujourd'hui t'es pas bien, reste chez toi. Reste chez toi, fais un truc qui te fait plaisir, requinque-toi, remets-toi, comme on dit dans le sud, mais remets-toi vraiment bien et après tu vas aller vendre. Après tu passeras tes coups de fil. Mais là pour l'instant, je sens que tu y es pas. Je suis d'accord, donc, c'est ce que disait aussi Alain Maria Dassou dans le podcast numéro 8. Voilà, faut rester chez soi. Si t'es pas dans un bon mood, ça sert à rien d'aller prospecter, de relancer, t'es pas bien, attends. Ouais. Sinon, tu grilles des cartouches en plus. C'est ça. Tu grilles tes prospects, tu grilles tes cibles inutilement. C'est vrai. Et c'est même délétère parce que tu grilles tes prospects, tes cibles, et ton image, ton amour propre en prend un coup. Donc, du coup, tu continues à descendre encore un petit peu plus bas. Au point de vue mental, tu es encore moins bien. Et derrière, ça, c'est une spirale infernale. Donc, briser la spirale, au contraire, prendre un grand souffle, rester un peu chez soi, ou aller voir des amis, ou je ne sais quoi, faire quelque chose qui permet de se ressourcer, et derrière, on y retourne. Ça touche la notion de productivité du commercial. Un commercial, justement, oui. Il n'est pas productif non-stop, tout le temps. Il a des phases d'extrême productivité, ouais. Et des phases où il est beaucoup plus bas, comme ça. Mm-mm. C'est ça. Exactement, exactement. Et okay. C'est ce qui me plaît moi aussi dans l'accompagnement que je fais, c'est que j'ai coutume de dire que le commercial est un être sensible, qui voilà, il peut être très très haut. Alors quand on signe des super deals, on se sent le maître du monde, et puis deux jours plus tard, on va perdre une autre affaire, et là, pour une raison X ou Y, parfois qui est complètement indépendante du travail du commercial. Parce qu'il y a du lobbying qui peut être fait en interne, enfin, il peut y avoir mille raisons. Et là, le commercial va descendre d'un coup, et puis alors après, pour remonter la pente, parfois, ça peut être long. Et c'est là que j'interviens. C'est sûr. Ok. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais? Je dirais alors, je ne sais pas si c'est une discipline, mais la rigueur, le fait d'être rigoureux... Non, alors quand tu dis discipline, oui, je vois ce que tu veux dire. Ce avec quoi je transige jamais, c'est d'être bien organisé. Il faut avoir une routine. Et c'est bête, hein, mais il faut avoir une routine. Se dire que tel jour on prospecte, tel jour on relance. Vraiment avoir... alors, peu importe les outils qu'on utilise, parce que là, aujourd'hui, on se fait farcir la tête de tous ces outils qui existent, qui sont développés... et on en trouve plein, voilà. Mais peu importe l'outil, ça peut être un bloc-notes, un agenda, peu importe. Mais en tous les cas, il faut absolument être rigoureux dans ce qu'on fait et se réserver des slots de prospection, des slots de relance. Ça, c'est hyper important. Et ce avec quoi je transige pas, c'est la prospection. Si on ne prospecte pas, on est mort. Un commercial qui ne prospecte pas n'est pas un commercial. Je suis désolée, ça n'existe pas. Et là-dessus, je suis même pas super fan de tous ces services de téléprospection externalisés. Alors voilà, chacun voit midi à sa porte, mais moi j'estime qu'un commercial, un bon commercial, va prospecter ses clients et va voir ses prospects et va les voir ou fait une visio, peu importe. Mais en tous les cas, il fait déjà ce premier acte de vente qui est
d'avoir ce rendez-vous, d'obtenir ce rendez-vous. Quand c'est externalisé et que c'est un tiers qui s'en occupe, je suis désolée, mais enfin la moitié de la vente, elle est déjà faite par quelqu'un d'autre qu'on connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, on ne sait pas ce qu'attend le client, on ne sait pas comment réellement ce rendez-vous a été obtenu. Donc pour moi, je trouve que c'est pas une bonne pratique. N'en déplaise aux entreprises qui vendent ces services-là, désolée, mais voilà, moi pour moi, un bon commercial commence déjà par prendre son téléphone et appeler ses prospects. Je suis d'accord. C'est un message pour tous les commerciaux qui travaillent que sur des leads entrants. C'est pas une façon de faire. Il faut prospecter aussi. Ouais. Ok. Et c'est sûr, c'est pas le plus simple, hein, mais bon, là aussi, il y a des techniques, il y a tout un tas de choses pour se faciliter la vie. On va parler énergie dans la vente, puisque je reste persuadé, et tu l'as abordé aussi au début de l'entretien, qu'il faut avoir une haute énergie pour être un bon vendeur. Comment gères-tu ton énergie, justement, Delphine, toi, pour performer ? Le sommeil. L'énergie, elle vient déjà d'une chose, c'est le repos et le sommeil. C'est complètement vital à l'être humain, il faut dormir. Donc voilà, avoir 7 ou 8 heures bon, grand max de sommeil, c'est extrêmement important, ça permet d'être en forme. Et ensuite, ben, comme je l'ai dit au tout début, avoir une vie équilibrée permet quand même d'être plutôt dans l'énergie. Et ensuite, ben, c'est toujours pareil, hein, il y a des moi je vais me mettre quand j'ai des baisses d'énergie, je me mets de la musique, je suis une grande fan de métal. J'adore le métal, donc je me mets des morceaux que j'écoute et qui me réénergisent. La musique moi m'apporte beaucoup à ce niveau-là. Et voilà, après ça peut être sortir, faire un peu de course à pied, faire du sport, il y a énormément de choses pour s'énergiser, c'est chacun doit trouver ce qui lui convient. Mais je trouve quand même que la musique est assez universelle là-dessus. Voilà, on évite de se mettre des morceaux tristes. On se met des choses qui bougent et ça permet tout de suite de retrouver de l'énergie. Avant d'aller voir un client, ça peut être génial. Okay. Vous arrivez, vous êtes là, vous débordez d'énergie. Bon, évidemment, si le client est un peu mollasson, on redescend un peu. On le brusque pas. Mais ouais, c'est ce que tu disais, s'adapter aussi, savoir s'adapter. Eh yes, tout à fait. C'est pour ça. On se synchronise avec la personne que l'on a en face de soi. On évite de le brusquer si on est trop plein d'énergie. On se calme un peu. Mais quand même, on peut avoir de l'énergie tout en étant calme. Et le sport aussi, hein, tu le dis, le sport, c'est quand même une base pour bien gérer son énergie. Hein. Ouais, tout à fait. Pour se donner confiance aussi, c'est important. Ouais, absolument. Ok. Delphine, pour toi, qu'est-ce que c'est une vente parfaite ? Une vente parfaite, ça va être une vente qui peut-être n'était pas gagnée dès le départ, où il y a un petit peu d'enjeu. Enfin, le côté parfait, ça va être plutôt parce que on a envie de gagner. Et quand le client il dit que c'est OK et qu'on a le deal, c'est vraiment de se dire waouh, j'y suis arrivé, c'est bon, j'avais tout mis en œuvre et ça a fonctionné et c'est top. Et ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien au moral? C'est et clair. En plus, derrière, on peut analyser qu'est-ce qui a fonctionné et on va reproduire et voilà, ça permet de gagner d'autres deals. Donc voilà, pour moi, une vente parfaite, c'est pas forcément une vente qui était gagnée au départ, pas une vente facile. C'est une vente où il y a un petit peu de challenge. Ok, excellent. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès ? Ah, ma définition du succès. Pour moi, un commercial qui a du succès, c'est un commercial qui va pouvoir, qui mène bien son affaire, donc c'est-à-dire qu'il sait se gérer, il est autonome et il va gagner des deals avec ses clients. Et ensuite, il sera capable de retourner voir ses clients, d'avoir un suivi, de les fidéliser. Voilà, un commercial qui a du succès, c'est un commercial qui vend. Mais qui fidélise ses clients. Voilà. C'est pas juste un commercial qui vend. Là, j'insiste là-dessus. Encore une fois, les mercenaires, on n'en veut plus. C'est ça. Olivier Guérin, que j'ai interviewé dans l'épisode numéro 3, dit « La signature d'une affaire, c'est l'ouverture d'une relation. » Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Je me dis toujours, moi, quand je vois des prospects, probablement des nouveaux copains que je me fais, en fait. C'est... Bon, ça permet un peu de dédramatiser le contexte vente. Okay. C'est-à-dire, on va se faire des nouveaux potes.
Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie? Peut-être quand j'étais dans une entreprise après la fin de mes études, j'ai commencé à travailler comme commercial sur Toulouse dans une boîte dans laquelle je suis restée pendant un peu plus de 5 ans. Et un chasseur de tête un jour m'a appelé en me disant « Tiens, il y a une entreprise à tel endroit qui aimerait travailler avec vous ». Alors je me disais, pourquoi moi? Ben parce que vous avez le profil qui va bien, tout ça, ok. Et j'ai rencontré le patron de cette entreprise et ça a matché. C'était pas évident parce que moi ça me demandait beaucoup d'efforts d'un point de vue déplacement. Enfin c'était un peu compliqué au départ. C'était une petite entreprise alors que j'étais dans un grand groupe européen. Et là d'un coup j'allais intégrer une entreprise où j'étais la 11e personne à rentrer dans la boîte, la première commerciale parce qu'avant il y en avait pas. Et donc c'était une prise de risque. Mais d'ailleurs mon entourage me disait t'es folle, il faut pas faire ça. Et en fait je l'ai bien senti et j'ai eu raison de m'écouter parce que j'ai passé les 11 années qui ont suivi dans cette entreprise, je me suis éclatée et ça a changé complètement c'était la rencontre aussi avec ce dirigeant avec qui j'ai travaillé, qui avait quand même une vraie stratégie, une vraie façon de voir les choses et qui travaillait beaucoup dans l'excellence. Et cette personne m'a permis de m'élever en fait. Voilà. Donc finalement, la prise de risque que j'ai faite de changer de boîte et d'aller dans cette entreprise qui était petite au départ, ça a été une très bonne chose et ça a été un tournant pour moi. Et si j'avais continué dans ce que je faisais, je serais pas du tout en train de faire ce que je fais aujourd'hui, je serais une toute autre personne. Il m'a vraiment, ce tournant m'a permis complètement de m'élever dans ma pratique, de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, okay. C'est tout simple. À ce sujet, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? Je vais revenir à ce que je disais au début. Le travail paye toujours. Voilà. Alors ça, c'est un conseil de ma mère. Tout simplement. Le travail paye toujours. Quand on travaille, on récolte les fruits de son travail. Ça n'existe pas de travailler et de n'avoir aucun retour. Ou alors c'est que, enfin, je sais pas, on est dans la 4e dimension. Le travail paye toujours. C'est okay. Obligé. Ok. Quelle est selon toi, Delphine, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Alors, je ne sais pas si ça me rend unique, mais j'ai un certain sens de l'humour. Un certain sens de l'humour. Alors, ça ne s'entend peut-être pas aujourd'hui, mais en tous les cas, j'ai un peu d'humour et j'hésite. Enfin, voilà, il m'est arrivé de faire des rendez-vous avec... j'ai fait toute une série de rendez-vous avec des banquiers sur Paris, donc un grand groupe bancaire, à qui il fallait vendre des services à plusieurs millions d'euros et qui me recevait, mon équipe et moi-même, avec ce côté pas fun du tout du banquier. Et le fait d'arriver avec mon petit côté, moi je viens de Toulouse et je me prends pas la tête. Ok, on est en train de parler de deals énormes, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas des êtres humains et qu'on n'a pas le droit d'apprécier de se voir. En fait, j'ai réussi à les faire se détendre et ça a facilité pas mal les choses derrière. Donc voilà, mon humour, c'est okay. Généralement une qualité qu'on reconnaît. Ça me va bien comme qualité, c'est ce que j'ai développé et dont je parle aussi dans le... J'ai écrit un livre qui s'appelle 24 clés mentales pour devenir un vendeur légendaire. Et il y a tout un passage, un chapitre qui est lié à l'humour. Je suis d'accord avec toi, l'humour c'est une qualité principale d'un bon commercial. Et en tous les cas, à niveau de valeur équivalente, le client il va choisir celui qui l'aura enthousiasmé, qui l'aura fait rire la plupart du temps. Et oui, ouais. Okay. Mais on revient à l'histoire de donner envie. Hein. Si vous y allez et que vous êtes triste comme une porte de prison, qu'est-ce que vous voulez que les gens ils aient envie de travailler avec vous? C'est sûr. Mm. Ok. Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Mm-hmm. Quel est ton avis sur le sujet? Et s'il est positif, quel est ton mentor ou quels ont été tes mentors? Alors, oui. Un mentor, c'est ça me paraît être très important. Ça permet d'avoir finalement une vision, d'avoir un cap, d'avoir comment dire un objectif à atteindre en se disant voilà cette personne-là vraiment elle m'inspire. J'aimerais être un tout petit peu comme elle ou être complètement comme elle, ça dépend du niveau. Mais oui, un mentor, ça me paraît essentiel. Moi, j'ai aujourd'hui j'ai
un mentor pour ce qui est du développement de mon activité d'entrepreneur. Et ce mentor, c'est mon conjoint, puisqu'il est lui-même chef d'entreprise depuis ses 22 ans, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans ce qu'il fait. Donc voilà, il me guide et je l'écoute. Parfois c'est compliqué parce qu'il me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre, mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui me permet vraiment complètement de tracer mon chemin avec mon entreprise et d'être performant dans ce que je fais. Donc c'est mon premier mentor. Après j'en ai un autre, mais celui-là il est assez, je dirais peut-être commun pour les commerciaux, Nicolas Caron. Je ne peux pas discuter avec toi aujourd'hui, Marc, sans évoquer Nicolas Caron, qui pour moi est vraiment un mentor. Enfin, il faut lire ses livres, il faut appliquer ce qu'il dit, parce que je trouve qu'il a tout compris. Voilà. Je suis d'accord, j'aime beaucoup Nicolas Caron. Forcément, on a lu tous les deux Lève-toi et vends et Lève-toi et prospect. Hein. Ouais. Je pense que tout commercial qui se respecte devrait lire ces deux livres. Il y en a un troisième en préparation, donc moi j'ai hâte de l'avoir. Et ouais, c'est il a tout compris. D'accord. On va parler maintenant des émotions et de la gestion des émotions primordiales dans l'acte de vente. Est-ce que tu as une stratégie particulière à partager avec nos auditeurs pour gérer, par exemple, la pression des résultats ou gérer tes émotions pendant l'entretien de vente? Moi, je pense que quand on est commercial et qu'on est en rendez-vous, quelque part, on endosse un rôle. On doit jouer un rôle en tant que commercial. En fonction de la personne que l'on a en face de soi, on s'adapte à la personne et on a donc ce rôle à jouer qui est de représenter l'entreprise pour laquelle on travaille et qui est de vendre un service. Pour ça, effectivement, on va ressentir des émotions. Parfois, il y a la peur, l'angoisse, le stress, l'excitation. Quand on sent que la personne elle est prête à signer, mais que c'est pas encore tout à fait sûr, bon, bah, il faut faire attention à la manière dont on se comporte pour pas la braquer. Enfin, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'émotions qui peuvent nous traverser pendant les rendez-vous. Mais je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on a ce rôle de commercial, de représentation de l'entreprise, ça permet quand même un petit peu de réguler ces émotions qu'on peut ressentir, parce que on joue un rôle. Comme quelqu'un qui est au théâtre et qui joue un rôle. Alors il faut pas surjouer, hein, on n'est pas en train de, on n'est pas chez Molière, hein, c'est pas l'idée du tout, mais se mettre dans la peau du commercial qui vend, qui a du succès, et vraiment se dire qu'on l'incarne. Et à partir du moment où on se met dans ce truc-là, dans ce mode de pensée-là, dans ce mental-là, ça permet quand même de réguler ces émotions qu'on peut ressentir. Tout à fait, c'est exactement ça. On se met dans un rôle avec une émotion assez neutre, on va dire, pour pouvoir incarner vraiment le commercial qui est là pour aider son prospect. Ouais. Ok. Exactement. Qui apporte une solution au prospect qui va voilà lui permettre de d'être mieux dans son business. Donc on incarne ce rôle-là et du coup, ben quand on joue un rôle, les émotions elles sont un peu en arrière-plan. Et après c'est vrai que les émotions il faut les traiter, mais pour ça on peut avoir recours à des coachs tout simplement. Mais les traiter avant et après, pendant, c'est plus le moment d'avoir des émotions, c'est le moment d'être concentré sur son client et d'être focus sur son client surtout. Voilà, j'aime beaucoup cette approche où vraiment on distingue qui on est vraiment de qui on paraît quelque part. C'est ça. C'est ça. J'aime beaucoup cette approche. Exactement. Effectivement, ça fait le distinguo entre les deux. Et en faisant ça, on met ses émotions à l'extérieur. Tu as raison, Delphine. Mm-hmm. Tout à fait. Ça, c'est un bon tips. Hein. Ah. Merci pour ce tips. C'est vraiment intéressant de comprendre ça. De se mettre à l'écart de son émotion pour pouvoir se concentrer sur son prospect. Comme l'acteur qui joue un rôle sur le moment. Mm-hmm. Tout à fait. Ok. Tu as un dialogue intérieur qui tourne quand tu rates une vente? Dialogue intérieur, ça va être ok, ça l'a pas fait. Dans tout ce qui m'arrive, dans tout ce qui arrive, il y a toujours une raison et il y a toujours un cadeau. Aujourd'hui, j'ai raté ce deal, mais il y a un cadeau derrière. Quel est le cadeau? Alors le cadeau, il n'est pas pour l'entreprise parce que dommage, on n'a pas vendu nos services. Mais en tous les cas, pour le commercial, il y a toujours un cadeau. Le cadeau, ça va être peut-être de comprendre pourquoi on n'a pas vendu. Peut-être qu'en fait on n'a pas été bon, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, peut-être que le service n'était pas adapté, peut-être que le cadeau c'est qu'en fait le client en question c'était pas un client pour nous. Ça c'est important aussi de comprendre ça. Tous les clients ne sont pas faits pour nous et on n'est pas fait pour tous les clients.
Et il vaut mieux rater un deal. Et tant pis si on n'a pas ce deal-là avec le client, ben c'est voilà, on l'a pas. Plutôt que de gagner un deal à tout prix et qu'au final on se retrouve empêtré dans une relation avec un client où on ne peut pas satisfaire ses demandes, où on ne peut pas, enfin on va pas être bon dans ce qu'on va faire pour lui, ou que le client va être ultra pénible et hyper chronophage et enfin voilà. Donc il y a toujours un cadeau dans ce qui nous arrive dans la vie. Il faut juste le chercher et le comprendre et le décrypter. Et parfois, on comprend pas tout de suite, ça arrive un peu plus tard. Mais ouais, il y a toujours un cadeau. Donc, c'est ce que je me dis. Si je rate un deal, je me dis, OK, dommage, mais c'est quoi le cadeau? OK, bien. Bonne approche, on reste positif, on se projette sur l'avenir. Yes. C'est bon, ça. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la résilience du commercial? Ben, c'est, ça va avec là exactement ce que je viens de dire, c'est que en fait, quand un commercial est résilient, s'il doit être résilient, c'est qu'il lui arrive une un pépin, quelque chose s'est pas passé comme il voulait, et donc ben tout simplement apprendre à rebondir et à se remettre en condition pour repartir au combat, parce que la vente quand même, c'est il y a un petit côté combat, repartir au combat, repartir au travail. Et pas se laisser abattre quand quelque chose s'est pas passé comme on voulait. Je suis d'accord. Il y a un côté, bah, surtout moi qui suis ancien sportif, il y a un côté ring, il y a un côté combat. Ouais. Je suis une ancienne sportive aussi, donc c'est vrai que ça me parle pas mal. Ouais. D'accord. C'est pour ça que j'appelle ça l'arène des vendeurs légendaires, le podcast, puisque pour moi, tu rentres dans une arène pour, voilà, pour entrer en combat, quelque part. Bah, tu sais... Mon entreprise s'appelle Cap Athéna, donc, et Athéna, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse et de la stratégie. Et donc, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est que dans la vente, c'est à la fois un combat, mais qu'on doit mener avec sagesse et stratégie pour le gagner et que tout le monde en ressorte vainqueur, en fait. L'idée, c'est pas d'abattre son adversaire, de rétamer son client, on n'est pas là pour ça. Bien au contraire, ça doit être du gagnant-gagnant, mais pour ça, il faut voilà, un peu de sagesse et de stratégie pour que tout le monde soit content. Ah, c'est joli le triptyque de l'entreprise, le combat, la sagesse et la stratégie. J'aime beaucoup. Excellent. Je savais que ça te plairait. OK. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression? Là, tu me poses une colle. La compétence mentale qui peut me limiter dans ma progression. Peut-être, c'est pas une compétence mentale, c'est plus comment arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai tellement de choses que j'ai envie de faire dans mes journées que je sais plus comment tout faire rentrer dans une journée. Mais ça, c'est une boulimie d'apprentissage, de travail, et voilà. Donc ça, c'est peut-être mais c'est pas un frein. Okay. Là, je suis un peu. C'est une question particulière, j'avoue, mais j'aime bien la poser, celle-ci. Elle surprend toujours. Ouais. Ok. Ouais. Quelle est ta punchline, Delphine, de vendeuse légendaire? C'est pas de la chance, c'est du talent. Tu sais, les gens qui disent ah mais t'as trop de chance, ce client il est vachement bien et tout, t'as réussi à signer avec ce client. Je dis non. Alors ça peut paraître prétentieux quand on dit c'est pas de la chance, c'est du talent, mais tout simplement ça veut dire quoi? Que c'est du boulot, c'est la somme de tout ce que j'ai fait avant qui fait qu'aujourd'hui je réussis ça. Donc voilà, c'est pas de la chance. La chance, pour moi, n'existe pas. On se la provoque. Je suis entièrement d'accord. Je partage tout à fait cet avis. La chance, on se la provoque. Ouais. C'est Louis Pasteur qui disait « La chance sourit aux esprits bien préparés ». Eh oui. C'est tout à fait ça. OK. Ouais. Bah écoute, je te remercie. On arrive à la fin de cet entretien, Delphine, mais c'est pas tout à fait fini. Tu le sais, j'aime toujours finir par le top 5, 5 petites questions rapides. Où l'idée, c'est de répondre du tac au tac, sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prête? Allez, OK. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. La chance, c'est bien souvent un hasard qui se provoque. Confucius. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Lève-toi et vends, de Nicolas Caron, évidemment. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Fais-le, personne ne le fera à ta place. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. On y va? Enfin, c'est bon, vous êtes prêts à signer? Parce que si on ne pose pas la question,
On ne signera jamais. Les vendeurs oublient de demander. On sent le côté ancienne sportive hein, là-dessus, ouais. Sur ce type de question. Je l'aime bien, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais, c'est bon. Ok, une croyance limitante que tu as su briser. Le fait de ne pas avoir fait une grande école de commerce. Ça m'a longtemps embêté. J'avais l'impression d'être moins légitime que d'autres. Et en réalité, j'ai dépassé ça en comprenant que bah, déjà dans les écoles de commerce, on n'apprend pas forcément à être un bon commercial. On apprend beaucoup de choses, mais pas ça. Mais pour moi, une école de commerce, c'était une école voilà, où on apprenait le métier. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, j'ai dépassé cette croyance-là. Ok. Je suis bien contente. Avant de se dire au revoir, Delphine, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Oui, je pense à Guy Delannoy. C'est quelqu'un qui fait de la formation commerciale, qui a été un excellent commercial pendant très longtemps et qui depuis est devenu formateur, qui est très inspirant. Et rien que de parler 2 minutes avec lui, déjà, on apprend plein de choses. Donc voilà, je te recommande Guy Delannoy. Ok, je le contacterai, on le trouve sur LinkedIn, je suppose. Absolument, oui, je te donnerai les coordonnées. Ok. Où on peut te retrouver, Delphine? Alors, sur le site cap-athena.fr et sur LinkedIn, Delphine Barrea. Voilà, vous tomberez sur moi. Ok. Bah, je te remercie pour cet échange, c'était enrichissant. Et il y a plein de choses à picorer comme ça pour les commerciaux qui vont permettre d'améliorer leurs résultats et leurs performances. C'était l'objectif. J'espère. Oui. Je te remercie en tous les cas, Delphine. À bientôt. Bonne continuation dans toutes tes activités. Merci, Marc. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back.